notre Dieu soit loué et qu'il soit béni. Mungu wetu asifiwe na abariki. J'aimerais que l'église encore bénisse l'Éternel par les acclamations, juste les acclamations. Gloire à Dieu, gloire à l'Éternel, gloire au ressuscité, gloire au puissant de Jacob, gloire à l'inébranlable, gloire à celui qui nous tient, gloire à celui qui est monté à la croix et qui est descendu dans les fonds. Et après il est remonté, il a laissé le ciel ouvert au-dessus de nous, afin que toute puissance n'ait pas la force contre nous. À l'honneur à ce Dieu-là. Merci. À santé. Merci. À santé. Et je bénis notre église, notre communauté. Je vous bénis. Je répète, sentez-vous bénis au nom de Jésus-Christ. Mais avant de commencer, je voudrais bien dire merci à papa. Je dis merci à maman Monique. Je dis merci à tous les pasteurs qui travaillent aux côtés de papa et tous les hommes de Dieu, les ministres de Dieu dans vos ministères et même grades de fonctions. Que Dieu vous bénisse. Je suis reconnaissant de tout ce que vous êtes. Mungu amibariki, nina shukrani kwa sababu ya kile muko. Jamais quand je viens chercher papa, kamwe kama nakuwa kumtafuta baba, personne m'a empêché de le voir. Hakuna mtu alisha nizuiza nikose kumuona. Il y a des endroits où vous cherchez papa. Kuna mahali ingine ukimtafuta baba. Si tu n'as pas l'air de le chercher, na kama auna na hali ya kutafuta, il ne va pas te faire accéder à papa. Abata kupeleka kwenye baba eko. Merci beaucoup à papa Serge, papa Asante, baba Serge, pasteur Célé, papa Célé, et tous les services de protocole qui m'ont toujours facilité à voir papa. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est comme papa l'a dit. Kwa benyaba ni faamu, ni kama vile baba alisema. Je suis Constant Chikala, comme vous avez entendu. Mimi jina yangu ni Constant Chikala, vile mulisikia. Le fils à papa Zakari Kabengele. Toto wa baba Zakaria Kabengele. Alléluia. Amina. Le fils à mama Monique. Toto wa mama Monique. Je suis aussi votre frère. Niko na mie nduku yenu. Je l'ai dit le vendredi. Sikia kazi tano nilisema. Que ce ne sont pas ceux qui ont les mentions NCD qui sont de la NCD. Ya kwamba si wenye wanaitwa NCD paka bonjo ba NCD. Il y en a qui le sont à cause lakin de la doctrine, de l'huile et Kupa de la consécration. Beko juu ya mwito na kutolewa kwao. J'ai marché dans cette doctrine. Ça fait longtemps. Et sous les pieds de papa Zakari, ça fait déjà plus de 17 ans que je suis avec papa Zakari. Je suis le mari personnel et privé à Suzanne. Comme papa l'a dit, ce n'est pas mes matins. Je suis l'homme qui n'a jamais péché. Jamais tombé dans l'adultère, j'ai pu que le Seigneur m'avait appelé. Je ne connais ni femme, ni fille, ni touché les seins, ni les hanches des femmes. Je n'ai pas touché. Et ma femme m'a toujours dit, il ne faut pas dire ça. J'ai dit, il faut que je le dise. Parce que je ne mourrai pas d'une mort incertaine. Quelqu'un qui n'a jamais fait ça et que je meurs d'une mort incertaine gratuitement. Non. Alors j'ai dit, et tout ça c'est grâce à papa. Papa m'a répété plusieurs fois, mais je me rappelle, il m'en a jamais dit devant mon église. Non. Il m'a dit ceci, Constant, les jours où tu cesseras, tu oublieras que tu es une brebis, c'est les jours où tu finiras. Tu feras n'importe quoi. Je ne sais pas si papa se rappelle, c'est enregistré dans une vidéo comme ça. Et je me sens toujours petit. Je me sens toujours
par terre. Nena Jona wa chini alors, udongo. Grâce kwa neema. À l'acceptation de l'autorité de papa. Kwa kuitikiwa na ukubwa wa baba. Je vais vous dire quelque chose dont je ne voulais pas que papa écoute. Ninapenda nimeambie kitu kimoja kenye sikutaka baba kisikie. Moi, j'honore papa Zakari même s'il n'est pas là. Mimi naheshimiaka baba Zakari hata kama yeye mwenyewe hanapo. Je vais vous dire ce qui va vous choquer sauf seule ma femme peut me témoigner ça. Nitakwambia kenye kitakukwaza mpaka bibi yako anaweza kukwambia. Wakati baba ananiita. Je ne peux pas rester sur mon fauteuil. Siwezi kubakia mwenye kuikaa pale. Je suis debout et je réponds debout. Niko bwima na mujibu bwima. Et jusqu'à ce qu'il termine, je m'assois. Na mpale atamaliza njoo mimi naikaa. Même dans mon bureau. Hata mu ofisi yangu. Je me tiens debout. Et je réponds à papa. Et ça, je ne lui ai jamais dit ça. Sauf ma femme a déjà vu ça. Alléluia. Amina. Et parce que ce jour-là, en 2003, Dieu me l'a montré que c'est cet homme-là qui va t'élever. Pendant que j'allais chercher papa et papa Albert Lukusa. Wakati nilikuwa namtafuta baba Albert Lukusa. Mais ce jour-là, c'est papa qui monte du haut de la chair pour nous prêcher. Na ile siku ni baba anapanda kumimbari. Et Dieu dit c'est cet homme qui va t'élever. Na baba kaniambia ni huyu baba, Mungu ananiambia ni huyu baba atakuinua. Alléluia. Amina. Quand le temps était accompli de la part de Dieu. Wakati ya Mungu ilienea. Je l'ai cherché par tous les moyens. Nilimtafuta wakati yote. C'était pas facile de recevoir quelqu'un que tu ne connais pas, il vient d'où? Haikuwezekani kupokea mtu mwenye haujue anatoka wapi? J'avais même demandé à Samson. Niliombaka hapa kwa sababu Samson je veux voir wakati napenda nione baba. Voir, y a pas de problème. Wende ukamuone hakuna matata. Et quand j'arrive c'est comme s'il me connaissait. Wakati nilifika utaona sana nijua. Que j'avais déranger quelqu'un qui ne me connaissait pas. Lakini mimi niliomba kuniona. De ce jour-là, je suis fils à papa. Lakini tokea ile siku niko mtoto wa baba. Alors tout ce que je fais, c'est ce que papa me dit. Biote bile niko natenda ni bile baba ananiomba. Si me dit ne va pas là-bas. Kama ananiambia usiende. Il y a des circonstances qui sont arrivées à l'église. Kuna majira ilifika kukanisa. Je suis venu à papa. Nilikuwa kumuona baba. Papa regardé il y a ceci, il y a cela. Baba kuna mambo inatokea. Papa a dit ça ne fait pas. Baba kaniambia usiende. Là ne va pas. Kushiende fazi fulani. Na mimi sikufanya na sikuenda kula linikataza. Le vendredi papa m'a posé la question. Na siku ya kazi tano baba aliniuliza. Et ceux qui étaient à côté de moi ne comprenaient pas de quoi papa disait. Benye balikuwa pembeni yangu. Papa, j'avais fait ce que vous aviez dit. Na nilimwambia baba sikutenda bienyo linikataza. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Le rocher de notre foi c'est toi. Mwamba wa imani yetu ni wewe. Il n'y a que toi qui console nos cœurs. Unafariji mioyo zetu. Merci Seigneur. Asante Bwana. Alléluia. Amina. Quand j'ouvre les carnets, les bloc-notes, nikiingia katika mabuku, ninaifungua. Je me rappelle que tout au début, moi je ne savais pas écrire dans un cahier. Nakumbuka ya kwamba kumwanzo mimi sikujuaga kuandika mubuku. Alors papa m'a dit jamais tu n'écriras sur une feuille. Hautaandika pa kikartasi. N'écris jamais les messages et les méditations sur des bouts de papier. Mjumbe ushitayarishe unaiandika pa vikartasi. Commence à écrire, commence à acheter quelque chose, un carnet, grand carnet pour écrire. Munene kwa sababu ya kuandika ndani yake. Ce jour-là. Tokea ile siku. J'ai des références et des références de tout ce que j'écris. Naweza kurudiria na kuona bienye nilisha kuhubiriaka miaka na miaka. Quand je lis, je dis ça c'est papa qui avait dit. Wakati ninasoma nasema pale ni baba alisemaka. Ya que vous. Ni paka nini? Si vous ne voulez pas. Kama utake. Un jour nous viendrons prendre papa vers les assemblées du trône éternel. Siku ingine tutakuwa kumubeba baba yetu. Alors, tunaenda naye kule shi tunaikalaka. Nous étions en train de parler de la puissance, la manifestation de la puissance de Dieu. Tulikuwa nasemea vionesho ya uwezo wa Mungu. Par kupitia la parole. Neno. Et si je parle de la parole de Dieu. Na kama nikiongea kuhusu neno la Mungu. Ici, je vais parler juste de la parole de Dieu. Hapa nitasemea tu kuhusu neno la Mungu. Bien que beaucoup de gens vivent. Ingawa watu wengi wanaishi. Sous l'emprise des paroles des hommes. Wanakuwa wanaishi kufuatana na misemo ya watu. Mais je vais parler de la parole de Dieu. Lakini nitasumuzia neno la Mungu. Parce que quand je parle de la parole de Dieu. Wakati naongea neno la Mungu. Même les mauvaises paroles. Na misemo yote mibaya.
prononcées contre toi, contre moi, seront neutralisées, anéanties à cause de la parole de Dieu. Alors je vais faire quelque chose comme un rappel un peu. Et je ne vais pas tout rappeler. Quand j'ai parlé de la parole, de la puissance de la parole, wakati niliongea kuhusu uwezo wa neno, j'ai beaucoup insisté nilisemea zaidi sur la présentation des gens qui présentent Jésus anamutambulisha comme la parole. Kama neno. Et j'ai dit que c'était une mission très difficile et très dangereuse. Na hata nilisema ya kwamba ilikuwa kazi mgumu sana. Mais Jean a tenu à cette mission. Lakini Yohane alifanya kazi inaitwa juu ya ile même kazi. Même quand il était amené sur l'île de Patmos isolé. Hata wakati alifika pakisanga kia Patmos. Je le vois vers la fin de son écriture. Namuona eko na maaliza maandiko yake. Le livre d'Apocalypse chapitre 19. Kitabu kia Ufunuo sura yake ya 19. Jean dit une chose. Yohane anasema kitu kimoja. Il voit encore Jésus. Anamuona tena Yesu. Il redit encore. Na hata anasema cet homme là que je voyais. Ya kwamba yule mutu nilikuwa. Son nom s'appelait la parole de Dieu. Jina lake ameitwa neno la Mungu. Je vais y toucher. Nitaisemea. Vous savez. Unajua. Dieu. Mungu. Enlever sa parole n'est plus Dieu. Kama unatosha neno lake ana tena Mungu. Alléluia. Amina. Ou peut-être tu m'as pas encore compris. Au yanyelewa bado. Si je prends le pasteur Sylvestre. Kama nabeba mtika. Que lui arrache la parole. Na munyanganya neno. Il sera une idole. Na atakuwa. Il sera une statuette. Qui va juste gesticuler. Na et cela Dieu n'aime pas. Lakini ile Mungu atakia. Et Dieu lui-même dit. Vos dieux là sont des idoles. Pourquoi? Parce qu'ils sont des bouches. Mais je ne parle pas. Mais notre Dieu a une bouche et il peut parler. Pour ceux qui n'étaient pas là, j'ai difficile de revenir à toute chose. Alléluia. Amina. Jésus est la parole vivante. Yesu ni neno iliyo hai. Et nous avons dit ceci. Na tulisema hivi. Que Dieu, ya kwamba Mungu, pour exprimer sa puissance, Dieu a kuonesha uwezo wake. Il exprime d'abord sa parole. Anatamka neno lake. Alléluia. Amina. Nous avons parlé de Jérémie. Tulisemea Yeremia. Alléluia. Amina. Est-ce que vous êtes là? Tuko pamoja. Merci. Asante. Alors, il dit à Jérémie, alafu anamwambia Yeremia, je vais t'envoyer. Nitakutumia. Et Jérémie nie toute chose. Il dit, moi, na Yeremia, je suis d'abord petit. Miki ya kwanza, même chose que Moïse. Je n'ai pas la langue facile. Mimi shisemaki. Écoute, Dieu n'a pas besoin de ta langue Mungu aitaje pour expliquer ce qu'il veut expliquer. Dieu a besoin de sa parole pour expliquer ce qui est chez toi comme il veut l'expliquer. Kama vile anaweza kubifasiria. Alors Dieu est partout là-bas. Sasa Mungu mwile biote, il a seulement donné sa parole. Alipana tu neno lake. Avec Jérémie ainsi. Na Yeremia, avec Esaïe ainsi. Na Esaïe, il a bile fait bile ainsi avec beaucoup qu'il a envoyé. Na ata, et j'ai pris. Ah, je prie pour toi que Dieu, Mungu, que Dieu Mungu te donne sa parole dans toutes lake, circonstances afin que tu sois capable par la parole neno, que tu sois capable de chasser, kufukuza, de guérir, d'extirper et de tout faire. J'ai aussi dit que toute la puissance que nous avons reçue de Dieu, nous l'avons reçue par sa parole. Alléluia. Alléluia. Écoute. Sikia. À Matthieu chapitre 10. Matthieu 10. À Matthieu chapitre 28. Matthieu 28. Le Seigneur dit juste ceci. Bwana anasema hivi. Je vous ai donné le pouvoir. Niliwapa mamlaka. Tu sais. Unajua. La puissance d'un homme de Dieu, c'est savoir qui lui a donné le pouvoir. Uwezo wa mtumishi wa Mungu ni kutafuta kujua ni nani alimupatia hayo. C'est ce que je disais. Jo ile nilikuwa nasema. Vous savez même ces gens-là qui ne reconnaissent pas et qui fuient la MCT. Ce sont des grands malheureux. Ni batu ba ole kabisa. Je répète des grands. Nasema. Alléluia. Amina.
Je l'ai dit le vendredi ici. Si, il était question de choisir son père. Il faut quand même que tu choisisses un homme intelligent. Un père intelligent qui peut te parler, Baba qui peut te donner les paroles sages. Weye, et aussi, il n'est pas question seulement d'avoir ses pères intelligents, mais il faut aussi retenir les paroles du Père. Salomon le dit, mon fils, que mes paroles, lis-les à ton cou. Que ça soit comme une chaînette, comme un bracelet. C'est pourquoi je vous ai dit, je n'ai jamais péché et je n'ai jamais fait des stratégies pour avoir l'argent dans mon église. Amen. Amina. Papa me disait que l'argent de l'église n'est pas ton argent. Papa alikuwa ananiambia fedha ya kanisa haina yako, unakumbuka baba. Alléluia. Amina. Oui, j'ai ma ferme, j'ai ce que je peux faire et je me suffis. Niko na shamba, niko na bitu si quelqu'un, yangu, binaweza kunisaidia kama je me rappelle un jour, nakumbuka siku ingine, le collège des anciens et des diacres, cherchaient à manger pour papa. Je dis que personne ne me cherche à manger, celui qui me cherche à manger est là. Na nilisema mtu asimtafutie chakula mwenye kunipatia chakula hiki. Si toi tu as mangé, viens me les donner. Kama wewe uko na chakula, pas besoin de voir une cotisation à manger. Mimi sihitaji kuona watu wachange. Les paroles du Père sont une puissance. Misemo ya baba ni uwezo. Même quand papa dit que j'étais dans des difficultés, je suis l'homme qui a vécu des difficultés. Na hata baba anasema nilikuwa magumu, ni kweli niliishi magumu. L'amertume. Moi je ne savais même pas que mes enfants pourraient étudier l'université. Mimi kuzania kwamba watoto wataenda kushule ku university. Écoute. Pendant que je réfléchissais sur la parole. Wakati nilikuwa nafikiria kuhusu neno. J'ai des photos là-bas. Niko na mapicha. Je ne sais pas si Junior serait là. Kama Junior serait kama yuko aliweza kututilia. Quand papa priait. Wakati baba alikuwa na. Il disait ceci. Alikuwa anasema hivi. Je me rappelle ces paroles. Nakumbuka misemo yake. J'étais à genoux mais je saisissais les paroles. Nilikuwa na kamata ile. Il dit que cet homme, quand tu lui manqueras quelque chose. À cause de ton œuvre. Kwa sababu ya kazi. À tous ses besoins. Mahitaji yake yote. Je me rappelle de toutes ces paroles-là. Nakumbuka. Attention aux paroles. Keba ange na misemo. Mais hélas, nous les chrétiens, nous nous rappelons que des mauvaises paroles. Jérémie l'a dit dans Lamentation, que malgré tout ce qui va m'arriver, ce que je vais repasser à mon cœur, ce que je vais repasser à mon cœur, ce que je vais invoquer à mon cœur, ce que je vais rappeler à mon cœur, oui ça va, c'est ça le mot que je cherchais, ce que je vais rappeler à mon cœur, ce que le bonté de l'Éternel. Hey! Alors les paroles sont tellement puissantes. Je pars directement. Je vais parler de la puissance de la parole pour une nouvelle naissance. Aujourd'hui, au moins, comme c'est la bonne nouvelle, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Écoute, je parle de la part du Seigneur. Je suis en Genèse chapitre 1. Le verset 1. Alléluia. Bien que je n'ai pas encore lu où je vais vous amener. Mais je parle de Genèse. Lakini niko nasema juu ya mwanzo. La Bible dit, Biblia inasema, au commencement, mwanzo était la parole. Neno. Non, ça c'est Jean. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ule ni Yohane, lakini mwanzo inasema, mwanzo Mungu aliumba mbingu na dunia. Tous sont abominés. Genèse chapitre 1 et Jean chapitre 1. J'ai comme l'impression quand je les lis tous, c'est comme si c'est un même livre. Alléluia. Amina. Il parle de la création. Alors dans la création, Moïse démontre comment Dieu crée. Beaucoup de serviteurs comme moi, des prédicateurs, nous attendons à parler du Saint-Esprit à la création. Le Saint-Esprit
À mon analyse, je ne pense pas que le Saint-Esprit pouvait à lui seul faire quelque chose. Et d'ailleurs, il est écrit que l'Esprit du Seigneur s'est mouvant sur la surface de la terre. Pendant qu'il y avait les ténèbres du fond de l'abîme, et tout était là sans forme, le Saint-Esprit était là. Et nous n'avons pas la place à la parole qui est sortie pour que le Saint-Esprit agisse. Oui. Ndio. Alléluia. Amina. Oh, tu m'as pas compris. C'est comme ça que je comprends la Bible. Jovine na elewa. Écoute. Biblia, le Saint-Esprit était Rom, là. Takatifu alikuwa hapo. Laisse-moi vous dire. Acha nikuambie. Costa est là. Costa iko hapa. Rien ne se fait. Hakuna kitu kinatendeka. Alléluia. Amina. Il est là. Eko pale. Il surveille les choses. Na eko naangalilisha. Rien n'est pas encore fait. Na hakuna kitu kinatendeka. Mais quand lakini wakati la parole vient, neno inafika, quand ça trouve le mouvement, Emmanuel anapata sasa bia yeye kufanya. Alléluia. Amina. Il trouve le mouvement. Anaanza kutenda. Et les choses commencent à se faire. Na vitu vinaanza kutendeka. Je parle à quelqu'un. Niko naambia mtu mmoja. Saint-Esprit sans la parole. Roho Mtakatifu. C'est une ruine de l'esprit et de l'âme. Inakuwa ni kuharibisha nafsi ya mtu. Nous l'avons vécu. Natuli. J'ai vu mes amis qui étaient dans les groupes de prière. Il y a des gens qui sont passés par des groupes de prière. Niliona batu walikuwa makundi ya maombi. Kuko batu walipitiaka makundi ya maombi. Sans parole. Bila neno. Roho Mtakatifu. Ni paka wewe. Zawadi ya moto. Hey, ça, l'urimi lwa moto. Le don du Saint-Esprit, la langue. Ce n'est pas fini. Aina njoo. L'urimi lwa moto sans la parole. La langue du Saint-Esprit. C'est une ruine. Ni kuharibisha tu. Et je le vois beaucoup, hein. Na niko na baona ba mingi. Je pose la question, comment l'homme avec qui vous priez là, l'homme de Dieu, je dis toujours l'homme de Dieu, avec qui vous priez là, c'est tous les mamans. Elles me disent non. Bana nyambia. Ils se sont séparés avec sa femme. C'est comme ça que ça finit les gens là de l'esprit sans parole. Non, il est bien d'avoir le Saint-Esprit. Mais il faut que le Saint-Esprit trouve la parole afin d'exécuter selon la parole. Est-ce que je peux continuer? Alors c'est ça. Joe, il est. Mais je ne comprends pas. Cette Yereo. Harmonie entre Genèse et Jean, il y a l'harmonie. Kupatana kwa mwanzo na Yohane. C'est pourquoi je patano. Vous dis, toute écriture est inspirée de Dieu. Dit-il pour. Mungu inasaidia juu, je l'ai dit le vendredi. Je ne vais pas me répéter. Siwezi kubirudia. L'esprit Ro. Rend que la parole. Inafanya kwamba neno. Et il y a encore une autre forme chaque fois que tu la consultes. Ikuwe na mufano ingine kila wakati unaitafuta. Chaque fois que le pasteur regarde, Papa Chimanga il regarde. Papa Chimanga tout le monde il regarde. Quand vous regardez, vous voyez wakati que ce que toi tu as vu là, ce n'est pas ce que moi j'ai vu. C'est quelque chose qui se renouvelle, qui prend une forme par rapport aux besoins. Le Saint-Esprit ou la parole est la réponse aux besoins de toute âme et de tout esprit et de toute vie. Je peux continuer. Naweza kuendelea. Ainsi, na ni vile, je disais que l'esprit planait juste. Nilikuwa nasema roho ilikuwa natambala. Il fallait que la parole sorte. Ilibidi neno isikilize. Que la puissance de l'esprit et la force de na tout de participer à la création par la parole. Kuwa, ipate kuhudhuria kwa kutenda kupitia neno. C'est pourquoi Christ ne nous a pas d'abord donné la Pentecôte. Il a commencé à nous enseigner. Après nous avoir enseigné, il dit, bon, il viendra maintenant. Et il viendra faire quoi? Nous rappeler ce que Christ nous avait déjà enseigné. Un Saint-Esprit qui ne te rappelle rien. Il n'est rien du Saint-Esprit. Mais le problème c'est quoi? Matata nini? C'est la nouvelle naissance, c'est la naissance. Ni kuzali kwa jipya. Amen église. Amina. Écoutez. Sikieni. Les slogans d'aujourd'hui, je ne vais pas tarder. Misemo ya leo sita ichunga tu. Quand vous entrez par les cinq portes. Wakati unaingilia kwa milango tano. Que compose la NCD. Ile inakuwa ya kanisa NCD. Mets-toi dans le cœur.
et dans l'esprit que je viens pour aller au ciel. J'ai trouvé quelqu'un dans l'évangélisation. J'aime l'évangélisation beaucoup. Des fois sur la rue, je peux arrêter mon petit véhicule, mon pauvre, là, je m'arrête. Je commence à parler aux gens. Écoute, quelqu'un me dit, moi je ne vais plus aller là-bas. Ce que je vais faire, je vais rester d'abord à la maison prière. Dieu ne nous a pas appelés pour nous laisser à la maison. Tu sais pourquoi il nous a amenés ici? C'est pour s'exercer par la parole, kwa neno, à la piété, kwa utao, à la sainteté, kwa enfin d'être apte et capable d'aller au ciel. Vous savez, quand quelqu'un quitte l'église ou quitte le département ou la commission en disant que non, banani uji sana, mi banani tesu, banani semaka, paka mi yeshipa. Écoute, celui-là, même au ciel, il ne saura pas rester avec les anges chez nous. Mais même je vous dis la vérité, si tu n'as pas su être fidèle à ta femme, toi tu seras fidèle à Jésus, à la parole, au ciel. Un homme de Dieu me dit, pasteur, tu sais, Mungu ananiambia, pastor, avec les vols au Congo, na mambo tu sais ce qui va arriver. Unajua mambo un jour nous serons au ciel, et parce Mungu que tout sera en or et en diamant. Kwa sababu biote itakuwa ni alimasi, hata itakuwa mvitu. Vous allez trouver un Congolais, utakutanisha mukongomani. Anaanza kuiba bintu kumbingu. Sone, de diamant, il dit, je vais aller vendre. Asema mitenda kuuzisha ayo. Je dis non, là on lui dira non, on ne prend pas. Bata parce qu'ici il n'y a pas de preneurs. Les preneurs sont restés là-bas. Parce qu'ici chacun a quelque chose. Huko kila mtu yuko na biake. Vous savez, il y a des gens qui aiment bien bon benyewe. Ils veulent seulement s'accaparer. Même ma maman connaît. Mama anajua. Mais chez nous on connaît. Ata kwetu banajua. Ni ici c'est pas chez vous comme chez vous là. C'est chez vous comme chez Dieu. Mule mizazi kwenu ni kwenu lakini kwa Mungu. J'ai trouvé quelqu'un qui disait, nilikusikia moi même chez moi on connaît hein. Mimi ata kwetu banajua. Je tape. Mimi napika kama. Il dit, si chez toi tu tapes, ici on tape pas. Ici ce n'est pas chez toi comme chez toi, c'est chez toi comme chez les saints. Aina kwako lakini ni kwa batakatifu. Est-ce qu'on peut aller ensemble? Tunaweza kwenda. Alors je disais que c'est ce qui fait que ni ile nafanya dans les églises, makanisa, surtout nous avons beaucoup des immigrés. Zaidi tuko na bale bali tokea tokea mafua shingine na boba naingilia amo. Chez moi, si tu es immigré, kwetu shie kama tu tulitokea kama ni wapi mbele atuye kule ulitoka, ingia mbele mu office. Tuongee ni juu natoka wapi. Le département d'évangélisation, vous devez aider papa. Apprendre à tout parler père. Bien. Il ne faut pas que l'homme arrive seulement comme ça et vous lui donnez des charges. Ah, sumburi ambele na yoyue ni nani? Est-ce que je peux dire amen avec quelqu'un? Tunaweza kusema amina pamoja na mtu. Laissez-moi aller rapidement. Twende haraka. Jean chapitre 1, le verset 12. Sura ya kwanza, mais à tous ceux qui l'ont reçu, vale bote vale mpokea, à ceux qui croient en son nom, benye banaamini jina lake, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, ya kuwa wana wa Mungu, lesquels sont nés. Benye balizalikwa, le verset 3. Shairi ya tatu, oui. Haikukua. Ah, merci Soma. Beaucoup. Vous savez. Unajua, ibia, ibia, tubizobele, hein? Ces histoires ici, nous on n'est pas habitués aux écrans comme ça. Hein? Bintu bia bazunga biche bujinga. Où on projette les choses de Dieu ne finissent pas l'ignorance. Ça va. Merci papa. Amina. Non, je suis d'ici, non? Toutes les conférences, les célébrations, ma les conférence, prières, célébration, je suis ici. Niko apa. Tellement que la fonction crée l'organe. Quand vous êtes habitué à d'autres choses, vous oubliez ce que vous devez faire. Alors, est-ce qu'on peut encore? Lesquels sont nés? Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais
Lakini, écoutez, sikia, pour dire de Dieu, Dieu il faut ajouter ne, du sang de Dieu, ne, de la volonté de Dieu, ne, de la chair de Dieu, ne, de la volonté de Dieu. Ya Mungu. Nous ne sommes pas nés. C'est comme je vous l'ai dit le vendredi, que la parole et la pensée, la volonté, les sentiments de Dieu. Quand Dieu parle, c'est ce qu'il ressent pour dire. Alors quand Dieu parle, ne minimise pas. Même si c'est Constant Chikala qui parle, toi ne minimise pas. Prends, car ça a quelque chose à faire. Il dit, ils sont nés. Il leur a donné le pouvoir. Non, j'aime cette partie. Nous naissons en Dieu par un pouvoir de Dieu. Quel est le pouvoir? La parole. Ils l'ont reçu. Le mot recevoir. Le semeur dit, ceux qui l'ont accueilli, ils l'ont reçu. C'est-à-dire accepté pour faire entrer. Dieu ne vient pas chez nous pour nous visiter hors de nous. Dis-le-lui, dis à celui qui est à ta gauche, à ta droite, Dieu ne vient pas chez moi mais visiter hors de moi. Il vient chez moi, entrer en moi. C'est ce que je dis. Écoute, nous ne pouvons pas, alléluia, amen, vivre le miracle, vivre tout ce que vous savez beaucoup, hein, nous venons. J'aime Jean chapitre 3, le verset. Napenda Yohane sura ya 3, musari wake wa kwanza. Alléluia. Amen. Nous allons lire ça après. Tutaisoma kisha. Nous ne venons pas pour être guéris. Atukuyake juu ya shiku ponyeshewa. Si tu es venu, que tu avais des problèmes, matata, l'équipe de serviteurs, les prophètes de l'intercession vont s'occuper de vous, ce n'est pas un problème. Na timu ya watumishi na waombezi watakushughulikia. C'est pas fini. Je me rappelle dans les années début 80, comme nous, na on était encore 80, wakati, dans les campus pour qui sont nous, ce que nous suivons. Tulikuwa mkampus pour qui sont nous, ce que nous suivons. Njo tukombe bien. Hein, tu dois d'abord croire et enfin nous allons prier pour toi. Hein? Ça nous avait pris. Il est chukwaka, même quand moi je servais. Hata wakati nilikuwa natumikia. À au vivre chez pasteur avec le pasteur Mpolondo. Au vivre na pasteur Mpolondo. Et après je suis venu. Na kisha nikakuja. Écoute bien aimé. Sikia mupendwa. Nous ne venons pas d'abord. Atutangulie pour vivre les miracles. Juu ya shie kuishi miujiza. J'aime ces versets. Napenda shairi hii. Nous naissons par le pouvoir kwa mamlaka, afin d'exercer le pouvoir. Juu ya kutumia au kutumikisha. Écris ça bien. Nous naissons par le pouvoir de la parole afin d'exercer le pouvoir. Celui qui est né de Dieu opère de Dieu. Anakuwa natenda kwa kupitia uwezo. Aha. Alléluia. Amina. Je ne sais pas quoi dire. Les Français, je ne connais pas beaucoup. Mais si Dieu qui mombo mzuri. Parce que même l'université, j'ai étudié quand j'étais déjà grand. Kwa sababu hata université nilijifunza hiyo nilisha komala. J'ai arrêté l'université pour aller travailler afin que je paye moi-même le quoi. Mais après j'avais déjà Suzanne, j'ai commencé à étudier et c'est pendant mes enfants aussi étudier. Nilikuwa na bibi yangu njo pale nilikuwa najifunza na batoto na baba alikuwa anajifunza. Bon, ce n'est pas pour ça que je ne connais pas les Français, je connais. Aina njui aile asema mishi jue kimombo, mimi najua. OK. Sois béni. Ubarikiwe. Alors, basi, nous sommes nés tulizalikwa par le pouvoir pour exercer, exprimer le pouvoir. Je parle à celui qui est né de Dieu que tu es né pour exprimer et exercer le pouvoir de Dieu. Mamlaka ya Mungu. Je n'ai pas encore dit très bien
Écris ceci. Andika hivi. Je suis l'expression du pouvoir et de la puissance de Dieu. Mimi niko kionesho ya mamlaka na ya uwezo ya Mungu. Alors je vois mon grand frère. Vieux papi, bonjour. Naona mkubwa yangu. Tu es là. Sois béni. Alléluia. Amina. Tu es né ulizalikwa pour exercer le pouvoir. Tu as kutumia mamlaka. Et je dis encore, tu as déjà écrit, tu es l'expression du pouvoir et de la puissance de Dieu. Ya mamlaka na uwezo wa Mungu. Oh, ya nishikia. Écoute, tu ne m'as pas encore compris. Tu es là, Mungu, assis sur le trône, écrit ça en lui là. Ndani yake. Sur le trône, tous sur le trône là. Christ ndani yake pa enzi. Alléluia. Amina. Ils ne viendront plus. Abata kuja tena. Et descendre sous la terre dans cette église. Na kushuka pa dunia mwe kanisa. Raba iya. Na kufanya raba. Poke ya Mungu. Receve. Poke ya baraka. Reçoa. Ils ne viendront plus le faire. Abata kuja. Il a envoyé sa parole. Alisha tuma. Et celui qui accepte, qui reçoit la parole. Na kunyana, amina, il a le pouvoir. Na mamlaka. De faire ça pour lui. Ya kutenda juu ya Mungu. Ah, merci papa. Que Dieu vous bénisse. Mais non, encore j'oublie. Ça y est, tu ne pas comme Angie. Emmanuel. Emmanuel, papa Emmanuel, merci. Il y a l'autre que je n'ai pas vu. Tu ne veux pas? Tu es l'expression de la, de la puissance et du pouvoir de Dieu. Waouh, waouh. Tu es encore l'expression de la gloire et de la manifestation de Dieu. Dieu ne veut pas peut-être voir qui descendent, qui se manifestent. Les gens sauront Dieu par toi. Allons rapidement. Alors Jean chapitre 3, le verset 1, je peux aller jusqu'au verset 5, même 8, il n'y a pas de problème. Mais il y a un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, cela veut dire, je vais te dire quelque chose de réel. Je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Zambi. Mungu. Wow. Il ne peut voir. Le mot voir. Vivre. Entrer. Expérimenter. Toucher. Aux choses du royaume, hériter au royaume, prendre au royaume. Bon, le Seigneur Jésus était formidable. Cet homme intelligent, très petit mais intelligent. Vous savez, cet homme, vous savez, nous aujourd'hui, il faut passer à la NCD, à la RTH, pour être connu, n'est-ce pas? Ah, hein? Mais Jésus, lakini Yesu, en Galilée, ku Galilaya. Est-ce que vous comprenez? Mnaelewa? 30 ans, miaka 3 ans, kisha miaka Galilée, Jérusalem, Galilaya, et les milliers là-bas. Na eko kule. Est-ce que vous comprenez les choses? Mnaelewa vipi? Cet homme n'a ni fait propagande ni quoi. Huyu bwana kufanyeke croisade. Parce qu'il était de Dieu, kwa sababu alikuwa même aujourd'hui, na leo, chez nous à Kabeya Kamwanga. Amalemba kulu manono. Alléluia, à Chilenge. Chilenge. Alléluia, abakwa chimuna. Alléluia. Là on connaît Jésus. Kule banamjua Yesu. Même les Chinois connaissent Jésus. Qui a fait cette propagande? Si ce n'est que la puissance de l'expression de la parole. Alors l'homme vient. Je vais revenir là-bas. Il était pharisien. Du groupe des pharisaïstes. Les pharisaïstes, ce sont les gens qui étaient réputés
à tourner, à torturer la parole de Dieu au profit de leurs habitudes. Nous ne venons pas faire la parole de Dieu correspondre à nos habitudes. Non, la parole de Dieu vient changer nous par rapport à elle. Dis à celui qui est à gauche et à droite, la parole de Dieu vient me changer à elle. Ce sont les groupes, il y en avait trois auxquels le Seigneur a eu beaucoup d'opposition. Benye balikuwa na pingana sana na Bwana. Les Sadducéens, wa Sadukayo. Alléluia, les scribes, waandishi. Et qui faisaient les Sanhédrin. Na ile ilikuwa kundi ya wale wakubwa. Ces gens ne s'entendaient pas. Ah, watu hawakuwa na patana. Au départ de leur doctrine. Na kufuatana na mafundisho yao. Alléluia. Amina. Les Sadducéens ne croyaient pas au surnaturel, au Saint-Esprit, à la résurrection, au miracle. C'est parmi ces groupes-là qui a infecté Israël contre Jésus en disant: cet homme, il a l'esprit de Belzéboul. C'est à quoi tu ne crois pas, n'est pas c'est à quoi nous croyons dans la parole de Dieu. Je vois mes amis en train de réagir sur les réseaux sociaux. Tel a dit, tel a dit. Qu'ils disent c'est ce que lui croit, ça ne va pas changer. C'est que moi je crois. Dites ça après moi. Qu'ils disent ce qu'ils croient, ça ne va pas changer. C'est à quoi je crois. Alléluia. Amen. Finalement, Jean l'a bien écrit hein, à un Jean. Il dit, la foi qui triomphe du monde, c'est notre foi. La foi qui triomphe du monde. Ce petit garçon-là, contre un docteur. C'est pas maintenant là. Aïna a pas ça. Alléluia. Amen. J'ai vu un petit. Niliona mdogo moja devait défendre son la thèse de doctorat ici. Mais eko na soma mambo ya kusemea mdogo université à l'époque. Utatoka riba la sayangu natoka na imvu abate chika. Tu auras la calvitie comme moi et les cheveux blancs. Mais ma prière est tellement puissante, je vous dis. On ne m'a pas encore enterré. Mon fils peut le déclarer, ma femme peut le témoigner. Par rapport aux universités, j'ai pris que toutes les universités soient envahies des chrétiens et des chrétiens seulement. Quand le jeune frère m'a appelé, je lui ai dit, petit, wakati mdogo yangu alinita mimi nasema ola lobaka na bino wana bile ndikwaka na miambia ekoko kisamaka etatimilika ataje. Ça commence par l'université hein. Inaanza na university. Ça va au gouvernorat. Inaenda ça va au gouvernement central. Inaingia ça va à la présidence. Inaenda les chrétiens nous allons dominer. Ba Christu shinjo. Parce que la foi qui triomphe du monde. Kwa sababu imani na c'est notre foi. Jo yetu shie. Je ne crois pas qu'à un seul jour. Mimi amini ya je jouerai avec la parole de Dieu. Nitashindaka kia kufanya na neno la Mungu. Quand j'enseignais, alors je disais, tu sais que c'est, même ma femme sait que cet homme est qu'on n'arrive pas à quoi professeur. Tous les jours, sa préoccupation, c'est de devenir un professeur. Atamu, j'ai déjà 55 ans. Niko na umri ya miaka makumi tano na tano. Et les gens n'acceptent jamais. Bantu lakini abeitiki yake. C'est la vérité, non? Chini ukweli. Papa connaît mon âge, non? Baba risha kujua miaka yangu, bwingi bwa miaka yangu. Alléluia. Amina. Et je l'ai dit, je ne vais pas vieillir. Na mina sema kami, mishita zekami. Sylvester, soit tu vas vieillir. Hein, Sylvester, oh ta zeka. Moi je fais tout. Mimi niko nafanya biote biwezekanayo. J'ai déjà posé la question à papa, vous ne grossissez pas. Mimi nisha kumuliza kwa baba. Basi, we au nene pas. C'est quoi le problème? Mishi yue ni je. Alléluia. Amina. Écoutez. Sikieni. Cet homme de Jésus yes. les avait beaucoup impressionnés. Je répète une chose, la parole de Dieu en toi doit impressionner les hommes. Les gens doivent être impressionnés. Quand je vois Paulin chanter, Paulin, frère, papa,
Tu as une voix semblable. C'est comme si tu chantes au même moment avec un ange. Non, ça va aller bien. Bitendeka. Alors cet homme pharisien, na huyu mufarisayo, docteur, mwalimu. Alors j'aime ses propos. Na hata anasema misemo hii. À l'introduction il vient. Kumwanzo anasema. Avant l'introduction, j'aime le temps. Mbele ya kuanzisha niko na wakati. Pasteur Sylvestre me rigolait, disait ah. Pasteur Sylvestre alikuwa ananicheka anasema. Sagesse ya nyine na wewe. Alors écoutez. Ça c'est quel type de sagesse? Sikia. Le temps. Wakati. Il vient lui. Anakuja aussi. Beaucoup nous disons seulement parce que c'est un pharisien, il craignait les juifs et consorts. C'est pas seulement parce qu'il craignait les juifs. Lui-même s'identifiait à la nuit. Il s'identifiait à la nuit par rapport au Seigneur des lumières. Heureusement, même s'il est venu la nuit, il a trouvé la lumière pendant la nuit. Dis à celui qui est à tes côtés là, même si tu es venu à la NCD la nuit, tu trouveras la lumière de la NCD. C'est pourquoi dans Zakon, les chouchouchous vont quitter. Les chouchouchous vont quitter. Oh, Dieu m'a donné une vision. Attends, donné une vision comment? C'est seulement, c'est dit seulement que tu es chouchouchou. C'est ma tour. Oko na tafuta ni umuntu ringiri ya moko na tafuta ba kupati ye moto. Excusez, hein? Je ne connais rien ici. Ah, mais je suis loin. Rien. Que Dieu te bénisse. Amen. Alors écoute. C'est qui ya? Il vient nuitamment. Anakuja usiku. Il dit maître. Anasema mwalimu. Non, j'aime la tradition. Est-ce que la réalisation à la tradition les semaires? J'aime la tradition les semaires qui dit quoi? Maître, nous savons que tu es venu. Tunajua kwamba ulikuja. Ah, j'aime ça. Napenda. Maître, mwalimu. Salua en ce terme. Maître, ce qui veut. Nikusema, professeur. Nikusema, mwalimu. Alléluia. Amina. Nous savons que tunajua kwamba c'est Dieu qui t'a envoyé pour nous enseigner. Alikutuma juu ya wewe kutufundisha. Alléluia. Amina. Nous savons que c'est Dieu qui t'a envoyé pour nous enseigner. Mais un professeur qui parle à un garçon de 30 ans, que c'est Dieu qui t'a envoyé pour nous enseigner. Oh, Jésus. C'est un formidable cet homme de Jésus. Na Yesu ni wa maajabu. Nous savons. Tunajua. Que c'est Dieu qui voyait pour nous enseigner. Ni Mungu alikutuma uwe juu ya uwe kwa kutufundisha. Mais de telles paroles quand il est prononcé, misemo ya hivi kama inatamka. Que seraient les disciples et les pharisiens qui étaient avec lui et même les gardiens parce qu'il marchait pas seul. Kwa sababu alikuwa anatembea peke yake. Des gens des grands, les chefs des juifs. Mukubwa il est écrit, il était un chef des juifs. C'est un ancien, c'est un grand. Alors il ne pouvait pas marcher seul. Peut-être pour des raisons de confidence. Ce jour-là, il pouvait marcher seul. Ça c'est moi, excusez-moi, pasteur Sylvestre. Toujours, parce qu'il va toujours me tirer les oreilles au bureau là-bas. Alléluia. Amina. Est-ce que tu peux acclamer? Umpikie Bwana makofi. Nous savons que c'est Dieu qui t'a envoyé pour nous enseigner. Car personne ne saura accomplir les signes miraculeux que tu fais si Dieu n'était pas avec lui. Écoutez, lui voulait apprendre par les miracles. Parce qu'il pensait, c'est pourquoi on n'a pas parlé des paroles. Parce que chaque fois, ils avaient envoyé des gens de répondre aux pharisiens. Ils leur ont dit, nous avons trouvé un homme qui parle et jamais personne n'a parlé comme lui. Ils savaient ça, non?
pour ne pas se disqualifier. Les problèmes dont je parle à l'église, alléluia, des années dans l'œuvre de Dieu, tes connaissances, ton être, ton statut et même ton statut social ne te mentent pas. Si tu sens que bien Mungu abia ingiaka, c'est le moment d'en faire bien Mungu biku ebiako. Fais tout pour que ce qui est parce que je répète ça, que nous n'entrons pas ici pour rester un jour ici. Nous entrons ici pour qu'un jour nous allions au ciel. Je vous ai dit que ce mot va revenir toujours. Vous connaissez ça? Et vous comprenez ça? Na pose la question à celui qui est à ta gauche, à ta droite. Uliza jirani wako wa pembeni. Non. Comment tu avais commencé les choses de Dieu? Afu mumambo ya Mungu uliingia kama je? Non, tu Bana, sais, unajua, quand papa Lukusa va quitter la 30e, nous étions parmi ces gens-là qui sont partis. Non, ce n'est pas par là que tu dois commencer. Shinjo tulikuwaka katikati ya bali bali anzaka. Aina njo kuanza, aina njo kulo napasha kuanzia. Commence là où tu avais crié et tu as dit, Jésus le Seigneur est sauveur de ma vie. Mpokea Bwana kama Bwana na Mwokozi wangu. Non, tu sais, moi Dieu m'a appelé trop petit. Unajua, j'étais baptisé quand j'avais encore 2-3 ans. Écoutez, ça c'est une fausseté. Écoute, qu'est-ce que le baptême? Le baptême est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu dans la mort et la résurrection de Jésus. Engagement. Les juristes sont ici. Est-ce qu'un enfant peut engager? Un enfant c'est un incompétent dans l'engagement. Même dans un marché il ne peut pas s'engager. Littéralement c'est faux et archivaux. Ce baptême là il n'a même pas l'air d'être un baptême. Un engagement. Tu as une bonne conscience. Que dit ta conscience là où tu es? Uko na zamiri unajua benye uko nafanya. Ile sori kuwaka na ile miaka tatu au ine. Uo rijuwaka bilo rianza kufanya. Wa, wow, merci papa et ma. Merci. Que Dieu me bénisse. Amen. Amweye. Awa njo. Atanza kakanisa leo. Keshoka. Amen. Eko na bintu biote muntumbo. Amen. Que Dieu vous bénisse papa. Amen. Conscience. Zamiri. Les choses de Dieu commencent par une conscience. C'est pourquoi le Seigneur Jésus ne va pas commencer le ministère public à 12 ans. Parce qu'à 12 ans, il était capable d'affronter les docteurs déjà. Mubantu bote, alikuwa na uwezo ya kupambana na baalimu na ile miaka 12. Mais il a entendu. Lakini aliongoje yaka. Écoute, si tu n'as pas encore grandi dans les choses de Dieu, attends le temps. Je suis à côté de papa 17 ans durant. Il ne m'a jamais écouté lui dire papa, je parle bien. Et d'ailleurs, chez moi, il y a le Costa Chilumba, il y a les Samson qui ont beaucoup travaillé. Même récemment, j'avais une célébration. Je ne fais rien sans ouverture à mon père. Et quand je termine, je vais lui rendre compte. Seulement toi. Tu peux commencer une œuvre. Hein, juste un petit groupe de gens. Ah, tu ne vas pas dire. Mais ici, il y a une discipline tellement que quand j'appelle Costa, allez d'abord parler avec papa. J'ai dit cette discipline. Depuis ce temps-là, j'ai mis cette discipline chez moi aussi. Si j'entends seulement que tu étais telle part, tu reviens, tu sors par l'autre porte. Allez, tu pars faire ton ministère. Ah, pardon. Allons-y rapidement. Je vois déjà Suzanne qui dit attention.
Vas-y. Mais non, maman Suzanne, c'est ma chabile et endele à Kumbele. Tu vois, je parle, je regarde papa. Je regarde papa. Je regarde Baba, mina angaria Suzana. Que Dieu soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer pour Mungu la gloire? Mungu tumpikie, buwana makofi. Alors, Sasa, il regarde. Anaangalia. Au miracle, ne voit pas, il ne va pas parler. Yo Jesus, si à la parole qu'il avait déjà entendue de Jésus. Neno alisikia kutokea kwa et Jesus. Jésus lui dit, non. Nicodème abikala ke vile. Écoutez, excusez-moi, j'aime les dialectes. On est samé, mais napendaka sana ruga. On est samé, papa. Kambi natoka. Lorsque je vais finir ici, apana kwenda kunikokota mashikio vile unanikokotaka. Unafika ku réalisation na jima pale. Hein, quand vous allez arriver à la réalisation, dites-leur de sucrer cet endroit là. OK. Sawa. Et Jésus lui dit na Yesu anas... Non. Ne parle pas déjà des miracles dont tu as dit. Apana kusemea. S'il vous plaît, la réalisation. Ne parle pas des miracles. Apana kusemea miujiza. Alléluia. Amina. Ne parle pas déjà des miracles ou d'entrée de, ou de venir de Dieu. Mais le problème, mambo, c'est naître de nouveau. Ni kuzali kwa jipya. C'est là que commencent les choses. Mambo yote tapasha kuanzia. Alors tu, vous savez, moi j'aime les ABC de la parole de Dieu. J'aime y ajouter la connaissance très puissante dans les ABC. Écoutez, comment ça commence? Je l'ai dit que c'était une action. Quand on parle d'une action, il y a un travail déployé par une puissance qui déplace quelque chose dans le corps de quelqu'un. Une action combinée de la parole et de l'Esprit Saint. D'abord de la parole. Et quand quelqu'un, je vais te dire, si peut-être tu vas te retrouver quand tu étais né de nouveau. Quand quelqu'un est né de nouveau, la première des choses, il sent une nouvelle sensation d'appartenir seulement à Dieu. Seul Dieu, seul Dieu. Et ça s'arrête là, il dit non. Si c'est un enfant, même si vous l'arrêtez pour les foufous, va vous dire non, je vais d'abord à l'église. Les jours de la nouvelle naissance, vous allez voir quelqu'un prendre la Bible Mububaya. Je tiens encore la Bible, je me souviens de votre parole, papa. Na kumbuka tena, niko na Biblia, neno lako baba. Tu dois avoir toutes les versions, toi. Unapasha kuwa na mafafanuo yote ya Biblia. Je passe seulement toutes les versions. Shina tu na mafafanuo. Chaque année, je paye une Bible. Kila mwaka nanunua Biblia mupya. Papa m'avait dit. Baba kaniambia. Le jour où tu ne sauras pas acheter une Bible qui paye, qui coûte cher. Siku ile hautaweza kununua Biblia ya bei. Ta parole n'aura pas la ile. Na neno la valeur, jamais. Na bei, ata shiku moe. Donc chaque année j'achète une Bible. Kila mwaka nanunuaka Biblia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Niko naongea na mtu. Quand quelqu'un est né de nouveau, wakati mtu anazalikwa jipya, même si vous lui refusez la Bible, hata kama unamuima Biblia, il peut arriver même à voler la Bible de son père. Anaweza kuibia hata Biblia ya baba yake. Avant que le culte ne commence, mbele ibada yanze, lui il est là déjà. Ye alishatangulia zamani. Il sent lui un autre être. Il y a deux concepts dont j'ai toujours aimé. Moi-même, hein? Pasteur, c'est comme ça que j'ai réfléchi aussi. Il y a deux concepts. Le premier concept, nouvelle naissance ou régénération. C'est quoi? C'est comme. Vous avez un être. Nikusema iko sa uko na kiumbe. Il y a un être. Kuko mutu tu moja. Il y a un homme. Kuko mutu. Il est là. Eko pale. Il est là. Eko pale. Il meurt. Anafariki. Alléluia. Amen. Il meurt. Anafariki. Et quand il meurt, wakati anafariki, de cette pourriture, il sort un autre être semblable comme lui, mais d'une autre nature, d'autres caractères, d'autres désirs, d'autres besoins, d'autres sentiments. D'un être, un homme qui est mort, kutokea mutu mwenye alifariki, quelqu'un ressort. Mwenye anatokea via
à celui qui est à tes côtés, Toi, il faudra que tu puisses y sortir, que tu sois un nouveau être. Meurs, que tu puisses ressusciter. Il dit non. Les miracles. Jésus dit non. Pas les miracles déjà. Parle d'entrer dans le royaume. Écris une chose. Écris une vérité qui est ici. Écris une vérité qui est ici. Dieu n'a jamais coopéré avec les enfants d'autrui. Dieu n'a jamais envoyé les enfants d'autrui. Dieu ne donne jamais aux enfants détruits ce qui est à lui. Tu seras ensorcelé de la sorcellerie de chez nous. C'est pourquoi je vous dis aussi, ne va pas manger chez les sorciers. J'ai toujours dit aux sorciers, est-ce que vous m'avez déjà vu dans la forêt de la sorcellerie? Mais pourquoi vous venez dans les églises sans vous repentir et sans avoir changé et vous convertir? Non, je ne parle pas, je ne dis jamais qu'ici, il n'y a pas de sorcier. Nous sommes des enfants de Dieu. Mais je vais dire à quelqu'un qui a déjà eu le temps dans cette église de savoir comment il a commencé les choses. S'il n'avait pas bien commencé les choses, qu'il les commence très bien maintenant. Parce que notre finalité, je répète mon slogan, c'est d'aller au ciel. Alléluia. Amina. Et même la puissance, le Saint-Esprit, papa, nous a été donné. Nous a été. Il est tout payé. Les gars. Il est tout payé. Pour. Dieu. Nous a été donné. Il est tout payé. C'est pour garder. Dieu les statuts des enfants, d'enfants de Dieu. Qui afin que quand il viendra, le même statut là que nous avons nous vous amènera vers les cieux, indépendamment de la volonté des présentaires et de n'importe quoi. C'est pourquoi je dis à celui qui a le Saint-Esprit, garde-le. Même si tu n'as pas encore vécu quelque chose de puissant, garde-le. Non, nous avons un privilège d'avoir un père qui nous parle de la sainteté, la sanctification, la piété. Je me rappelle une année ici, c'est l'année, quelle année là, où j'ai vu les mêmes sujets, les mêmes thèmes, revenir d'une autre manière, comme les mêmes thèmes, toujours la sanctification. Vous rappelez-vous que vous avez fait combien d'années avec la sanctification ici? Non. Moi, je ne pense pas que d'entre nous, quelqu'un puisse rester quand nous on ira. Dis à celui qui est à ta gauche, à ta droite, si tu es né de nouveau, tu sauras toi-même et tu sentiras toi-même que si le Seigneur venait, moi j'irai. Je l'ai toujours dit à ma femme, c'est comment? S'il venait aujourd'hui, tu iras aussi? Et d'abord, au commencement, là, je lui avais posé la question. Parle-moi, comment ça avait commencé? Tu sais, elle, c'est une femme très heureuse. Son grand-père, pasteur, sa grand-mère, pasteur. Son père, pasteur, sa mère, pasteur. Son mari, pasteur, elle-même, pasteur. C'est comme moi. Mon grand-père pasteur, mon père pasteur, moi pasteur, je n'ai pas hérité de la communauté de mon père, non. C'est que Dieu m'a appelé moi-même, parce que d'abord, même chez nous, tout le monde n'est pas pasteur. Il faut, ce n'est pas le problème d'appartenir à une lignée de pasteurs, mais c'est un problème d'avoir fait choix, d'avoir engagé, d'avoir gardé l'engagement jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Je dois m'arrêter ici.
tasimamia hapa. La le deuxième concept c'est que na hata wazo ya pili c'est dans un homme vivant. Ni ndani ya mtu aliye hai. Pas celui qui est mort et pourri. Hapana ule alikufa anaosa. Mais dans un homme vivant. Lakini mtu aliye hai. Il est là. Eko hapo. On détruit la nature des désirs, sentiments. Il est là. On détruit tout ce qu'il a toujours aimé. Banavunja bile biote bile yanataka bila nashika. Pour expérimenter la puissance de Dieu. Il faut détruire en toi. Paul dit. Paul anasema. Au Galates chapitre 5 le verset 24. Il dit ceci. Ah, ceux qui sont en Christ. Ceux qui sont en Christ. Ont crucifié. Balisha sulubisha. Ont crucifié. Balisha sulubisha. Dis à celui qui a tes côtés crucifié. Jirani kusulubisha. La réalisation ne sort pas. Crucifié. Sulubisha. Avant que le Seigneur mbele ya Bwana. Écoutez. Sikia. Romains chapitre 8 verset 13. Je wa Roma 8:13. Je pense que je suis sur la bonne page. Azania niko pa kartasi mzuri. La Bible dit, si lui kama yeye n'a pas épargné son propre fils. Akukatale, akuchunge mtoto yake. Je m'arrête. Sylvestre, je vais encore faire une autre exégèse ici. Alléluia. Amina. Épargné. Kuchunga. Le mot qu'il a est oui, ashkumuchunga. Arikumka ashkukatale naye. Écoutez, Sikia. Comment j'ai pris le verbe épargner dans toutes les figuratifs. Katika ile tamko ya kuchunga, kukatala naye ni mimi niko naielewa mu manamna achana achana. Écoute, si tu vas te jouer de Suzanne. Si tu touches à Suzanne, je ne t'épargnerai pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Merci. Alléluia. Amina. Écoutez. C'est qui? Si Dieu n'a pas épargné son fils, Mungu et toi qui restes dans les habitudes judaïques, dans les habitudes du péché, des sentiments, des sensations et des désirs, il ne t'épargnera pas. Yeye atakuacha mzima. Je dis bien il ne t'épargnera pas. Nasema atakuacha mzima. Il est temps. Wakati nene. Maintenant. Hapa sasa. De changer. Yawe kubadilika. Il est temps. Wakati nene. De naître de Dieu. Yawe et de rester celui qui est né de Dieu. Na kubakia mtoto. Afin d'expérimenter la puissance de Dieu. D'être l'instrument de l'expression de la puissance de Dieu. Chombo ya kuonesha uwezo wa Mungu. Je suis à la fin. Afrika Papa.